silence fait. C'est la queue des chats qui danse. Quand les chats a dansé. Quand les coqs a chanté. Quand le silence est parlé. Le conte va commencer. Touiller, 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 touiller la soupe et elle regarde. Oh! Sur la chaise à côté de Catriona, il y a sa maman. Qu'est-ce que vous pensez que la maman dise à Catriona? Ça te fera du bien. Et Catriona, elle continue à continuer à continuer. Eh bien, c'est ce moment-là que la soupe regarde Catriona. Et la soupe, elle dit... Elle a l'air appétissante, cette petite fille. Et la soupe avale Catriona. Et sa maman dit, ben, où est passée ma fille? Oh, mais c'est toujours comme ça. À l'heure du repas, encore plus quand c'est la soupe. Grand-mère, elle a mis des pommes de terre. Tchoup, 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 tchoup. Estelle, elle a mis du sel. Et Richard, il a mis... Eh bien, les enfants, vous êtes géniales parce que vous savez ce que les adultes ils disent toujours à ce moment-là? Eux, ils disent toujours du lard. Et moi, je suis obligée de dire non, c'est pas du lard, c'est des épis. Quelqu'un ne dort pas. Quelqu'un se réveille. Quelqu'un se réveille dans son terrier. Et quelqu'un voit qu'il y a 15 souriceaux qui sont aussi réveillés. Maman, on a faim. Maman, on a faim. Yona, elle a pris sa soupe aux lentilles et légumes sans avoir dû... Vous pouvez être bilingue. Dijon, il a pris les flammes et il est allé près de... Et le noisetier a dit, oh ben petit Jean, si tu veux, je te donne. Et petit Jean, il a pris le bâton. Et il est allé dans la forêt, dans la clairière. Il met dans la clairière. Vous croyez qu'il y avait encore petit chat? Dans la clairière. Vous croyez que vous vous êtes rendu compte que ça a pris beaucoup de temps? Eh bien, petite Jeanne, elle n'y était pas. Et puis dans la clairière, est-ce qu'il y avait encore des framboises? Non. Ben non, même pas une framboise. Et surtout, ce qu'il n'y avait plus, il n'y avait plus de colère chez petit Jean. Il a posé son bâton, il est rentré à la maison. Quand il est arrivé, il a senti une odeur qui embaumait la maison. Et quand il est entré, il a vu petite Jeanne en train de touiller. Elle était en train de faire la confiture des framboises. Le vent lui a donné la pomme. Elle est allée chez sa grand-mère. Elle a dit, grand-mère, le vent m'a donné une pomme. Mais tu crois qu'il y en a toi? La grand-mère, elle a dit, regarde. Depuis ce jour-là, quand Catriona, elle demande à sa maman une pomme, elle dit, maman, je voudrais la petite maison rouge qui n'a pas de porte, qui n'a pas de fenêtre et qui a une étoile à l'intérieur. Et sa maman, elle ne coupe plus la pomme comme on coupe d'habitude, elle coupe toujours de cette manière-là. Alors, pour terminer aujourd'hui, j'ai demandé à Monsieur Levent
de nous offrir quelques pommes.